Bonjour à tous, donc on se retrouve dans ce deuxième épisode de Plus de Watts. On s'était laissé sur le dernier avec un bloc PMA dans lequel j'avais fait pas mal d'exercices de 30-15. Et ben, ce nouveau bloc, on enchaîne avec un bloc de Jiménez. Donc premier bloc, j'avais travaillé vraiment les intensités très élevées sur des durées très courtes. Ce bloc-là, on est toujours dans l'intensité relativement élevée, mais plus autour du seuil, pour aller chercher vraiment à rehausser mes puissances sur des durées beaucoup plus longues, autour de 45 minutes, puisque le Jiménez, c'est un exercice qui dure 45 minutes. Alors comment est-ce que j'ai construit ce bloc de Jiménez? Ben, c'est un exercice qui va se calibrer par rapport à votre PMA et par rapport à votre zone 3. Donc en fait, c'est un exercice qui va alterner entre 1 minute à PMA en théorie et 4 minutes en zone 3. Simplement, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'y vais de façon progressive, c'est-à-dire que je commence pas dès le premier Jiménez du bloc à 100% de la PMA et en haut de ma zone 3. Ce que je fais en général, c'est que la première semaine d'un bloc de 3 semaines, je calibre mes Jiménez à une intensité, à une sous-intensité par rapport à ce que je suis capable de faire. Pas trop non plus, hein, faut pas non plus que ce soit trop facile, faut quand même que ça provoque des adaptations. Mais pas trop fort non plus pour vraiment pas me dégoûter d'entrée de jeu et puis vraiment laisser le temps au corps de s'adapter. Deuxième semaine, je me situe à peu près à des intensités qui sont proches de ce que je suis capable de faire, donc quasiment à 100% de la PMA, plutôt en haut de la zone 3. Et puis dernière semaine, bah, j'essaye de dépasser ces valeurs en essayant vraiment de provoquer le maximum d'adaptation. Et même si je ne termine pas les séances, même si j'explose en cours de route, c'est pas très grave parce que derrière j'ai ma semaine de récupération. Alors dans mon cas, je ne connais pas exactement ma PMA. Ma zone 3, elle est calibrée par rapport à un test 20 minutes que j'ai fait déjà il y a pas mal de temps. Bon, alors après, ce que je fais moi dans ces cas-là, comme j'aime pas trop me tester, je m'appuie sur des séances que j'ai faites par le passé, des Jiménez j'en ai déjà fait, donc j'ai quand même une bonne idée de ce que je suis capable de rentrer sur ce type d'exercice. Donc pour cette première séance, j'essaye d'y aller mollo. Je commence avec 370 watts pour la minute et 250 watts pour les 4 minutes en zone 3. Cet exercice de Jiménez, c'est un exercice vraiment de VO2 puisqu'on va chercher vraiment à provoquer une dérive cardiaque et puis on va chercher à accumuler un maximum de temps proche de VO2 max. Donc contrairement à ce que certains pensent, même si le Jiménez c'est un exercice qui est dans certains esprits plutôt daté, c'est pas un exercice qui est dépassé, au contraire, bien au contraire. Et c'est pas parce que c'est un exercice qui est daté que c'est un exercice qui ne fonctionne plus. Et si on réfléchit un petit peu par rapport aux dernières recherches qu'on a actuellement sur la science de l'entraînement, avec notamment une tendance à privilégier les exercices avec beaucoup de variations d'intensité, puisqu'on s'aperçoit que c'est ce qui provoque la dérive cardiaque la plus intéressante et ce qui permet aussi de cumuler un temps proche de VO2 max sur les exercices d'intensité les plus importants. Et quand on analyse la structure d'un Jiménez, le fait de varier les intensités, d'avoir cette minute autour de PMA et puis ces 4 minutes en zone 3, ça permet de provoquer justement cette dérive, d'avoir ces variations d'intensité, et ce qui rend l'exercice beaucoup plus intéressant que si on faisait simplement des longs intervalles avec une même intensité sans variation. Donc ce qui répond en même temps à la question de Vincent, je vais en profiter maintenant pour répondre à quelques-unes de vos questions, ça me permet de développer un petit peu plus que par écrit. Vincent qui me demandait pourquoi est-ce que dans ma préparation je n'ai pas de bloc seuil avec des intervalles plutôt classiques de type 3 x 5 minutes, 3 x 6, 3 x 7. Ben, ça c'est quelque chose que j'ai pratiqué par le passé, mais j'ai constaté que ça ne crée pas énormément d'adaptation, j'avais pas énormément de résultats, et j'en ai bien plus intéressant avec des exercices type Jiménez, ou avec des intensités, avec des intervalles très courts où il y a énormément de variations de puissance. Pour moi, c'est plus intéressant. Je le constate à la fois sur moi, mais aussi sur d'autres. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à favoriser ces exercices avec des variations. Et puis, Vincent me demandait aussi comment est-ce que je vais travailler ma puissance sur 20-30 minutes. Alors, déjà, le Jiménez, ça permet déjà de travailler sur ces durées-là, même si c'est plus spécifique à des durées plus longues. Et puis, en ce qui concerne vraiment ces durées spécifiques de 20 ou 30 minutes, ben, j'ai prévu de vous en parler dans la vidéo suivante, puisque c'est le prochain bloc.
même si vous allez voir, depuis, les choses ont un petit peu évolué. Alors, comme à chaque fois, quand je sors d'une semaine de récupération, j'ai un état de fraîcheur qui est vraiment élevé et j'ai ma fréquence cardiaque qui répond très très rapidement et qui répond vraiment très très bien à la moindre sollicitation. Et bah, vous voyez que sur ce premier exercice de Jiménez, j'ai une dérive cardiaque qui est vraiment incroyable. De mémoire, je crois que je n'ai jamais passé autant de temps en zone 5 et 6 cardiaque. Donc là, vraiment, au niveau cardiaque, ça a énormément travaillé, même si musculairement, je sens que j'ai encore un petit peu de marge. Donc pour moi, c'est une très bonne séance et je ne me suis pas planté au niveau des intensités pour ce départ de bloc. Deuxième séance de Jiménez, cette fois-ci calibrée à 380 watts pour la minute et 255 pour le contre-effort de 4 minutes. Alors, rien de particulier à noter ici, si ce n'est que la dérive cardiaque est moins intéressante. Malgré le fait d'avoir augmenté les watts, je pense que c'est parce que mon corps commence à s'habituer à ce type d'effort, à ce type d'exercice que j'avais plus pratiqué depuis un certain temps. Et donc, forcément, il est un peu plus à l'aise, même si j'ai augmenté les watts. Ça reste des watts qui sont sans doute, et ça se vérifiera par la suite, en dessous de ce que je suis capable de faire. Donc voilà, l'augmentation n'a pas été suffisante pour avoir une dérive cardiaque aussi intéressante que lors de la première séance. Et puis dans tous les cas, ce sera difficile d'avoir une dérive cardiaque aussi intéressante parce que, comme je vous l'avais dit, je sortais de ma semaine de récupération, j'étais dans un état de fraîcheur extrême. J'attaquais avec cette première séance dont je n'avais plus l'habitude et le cœur forcément est monté très vite, très rapidement, et ça va sans doute pas se reproduire pour la suite du bloc. Mais vous voyez que j'arrive quand même à cumuler des temps de maintien en zone 5 et 6 cardiaque, au-dessus de 90% de fréquence cardiaque maximale, vraiment intéressant, hein. Même si c'est un petit peu moins important, ça reste toujours très intéressant. Et si je mets ça en corrélation avec mon ressenti, ben, j'ai toujours un petit peu de marge. Donc c'est normal aussi que j'ai pas une dérive cardiaque qui soit sensationnelle. Parallèlement à ces séances de Jiménez, je fais évidemment d'autres choses. Je fais notamment beaucoup de zone 2, des sorties plus ou moins longues, entre 2 et 5 heures en zone 2. Mais je fais aussi parfois des séances beaucoup plus courtes, d'une heure ou une heure et demie sur home trainer. Quand j'ai pas le temps de sortir dehors, c'est très pratique. Et j'ai l'habitude d'inclure sur ces séances très courtes des sprints. Alors ça peut être des sprints 10 secondes, des sprints 30 secondes comme aujourd'hui. Donc c'est des sprints qui sont quand même assez difficiles, 30 secondes, mais en sachant que c'est des séances qui sont pas très longues, je fais 5 ou 6 sprints maximum, donc ça génère pas énormément de fatigue, on en récupère assez bien. Évidemment je les place pas la veille d'une séance intense, mais en 48 heures ça suffit pour en récupérer et ça pénalise pas tellement sur les séances importantes. Et puis en même temps, ça permet de travailler ces intensités-là, beaucoup plus hautes, beaucoup plus intenses, sur des durées beaucoup plus courtes. Et ça permet de progresser au niveau d'explosivité, tout en ayant assez peu de séances, puisque moi j'en fais une par semaine à peu près. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant de vous partager ça aussi. On peut travailler d'autres choses en parallèle, de la thématique principale du bloc. Et ça n'empêche pas de réaliser ces séances intenses. On se retrouve donc ici en deuxième semaine du bloc. J'avais prévu de faire un rappel de 30-15 puisque mon premier bloc était fait de 30-15. Donc même si on continue de travailler un petit peu la PMA avec le Jiménez, je tenais quand même à me faire un rappel par rapport à cet exercice-là,
qui reste quand même très différent. Donc je m'étais replanifié un 3x10 30-15 à 400 watts et à 200 watts pour le contre-effort. Malheureusement, j'étais pas en grande forme ce jour-là et je vais pas aller au bout de l'exercice, je vais bâcher à la moitié. Et bon, bah, j'étais assez déçu, mais en même temps, j'en ai tiré quelques leçons, notamment au niveau de la récupération. J'étais vraiment en manque de sommeil et bah, ça se paye cash, hein, donc voilà, séance ratée. Donc comme quoi, voilà, je voulais aussi vous montrer ce type de séance. Je réussis pas toujours mes séances. Il y en a certaines que je bâche. Ça arrive souvent quand je néglige un petit peu la récupération. Et c'est ce qui s'est passé cette semaine, en tout cas ce début de semaine. Pas assez dormi, voilà, couché un petit peu trop tard. Voilà, une ou deux heures de sommeil par-ci par-là en moins. Et ben, ça fait que quand on joue avec ses limites sur ce type de séance, et ben ça passe pas. Voilà. Séance de renfort, comme d'habitude, hein, j'en fais sur tous les blocs et j'en fais toutes les semaines, une fois par semaine. Alors, si je la mets dans la vidéo, c'est simplement pour vous partager un petit peu mon expérience par rapport à ça. Moi, c'est la première fois que j'en fais cette année avec des charges lourdes. J'en faisais par le passé, mais avec des charges légères, soit au poids du corps, soit avec des haltères, mais pas très lourdes. Et là, le fait d'avoir passé aux charges lourdes, bah, je peux vous assurer que j'ai encore passé un cap cette année. Alors faire une séance par semaine, ça servira pas à grand chose si vous cherchez à développer vos qualités. Par contre, si vous les avez développées en amont avec deux ou trois séances par semaine pendant plusieurs mois, sur vraiment un gros bloc dédié à la force, à la prise de force pour le vélo, et ben faire une séance par semaine comme je le fais là, ça permet simplement de conserver les acquis tout au long de l'année. Si on est régulier, si on garde vraiment cette petite séance par semaine. Et je peux vous dire que j'ai vraiment gagné en force. Et puis moi, je le retrouve sur toutes les durées, que ce soit sur les sprints. J'ai gagné plus de 100 watts sur mon sprint 10 secondes. J'ai gagné un bon 20 watts de PMA. Alors effectivement, c'est sans doute aussi lié aux séances de PMA, mais pas que. J'ai jamais gagné autant de watts aussi facilement. Et puis je les retrouve aussi ces watts-là sur des durées plus longues. Alors c'est moins sensible, alors c'est moins visible, mais je le ressens quand même, je le vois quand même. Même sur des sorties de 3 heures, je vois une différence au niveau de l'endurance musculaire et au niveau des watts, tout simplement, des watts moyens que je suis capable de sortir sur des durées très longues. Donc si j'ai un conseil à vous donner, si vous n'avez jamais essayé ce type de renforcement, bah essayez, parce qu'il se pourrait que ça vous fasse passer un cap vraiment important. Troisième séance de Jiménez. Alors vous allez voir que je me suis un petit peu enflammé. Normalement j'avais prévu de faire un Jiménez à 390 et 260, ce qui était la progression logique par rapport aux deux séances précédentes. Mais en ayant été un petit peu déçu par ma dérive sur la séance précédente, ben, je décide d'augmenter de 10 watts supplémentaires la minute autour de PPMA. Donc ce qui fait que je vais faire ce Jiménez à 400 watts pour la minute et à 260 pour le contre-effort. Et là, là j'en ai bavé, hein. Je peux vous dire que là j'étais vraiment très proche de mes capacités maximales à ce moment-là. Mais ce qui me permet quand même d'obtenir une dérive vraiment encore une fois exceptionnelle pour moi, vraiment très très intéressante. Je suis quasiment au niveau de ce que j'avais obtenu sur la première séance, avec quand même 30 watts de plus sur la minute. 10 watts de plus sur le contre-effort de 4 minutes, donc je suis vraiment satisfait. En plus de ça, je bats mon record de puissance sur ce type d'exercice, sur Jiménez. Je crois que mon record il devait être à 380 et 260 ou 255. Donc voilà, je le bats vraiment, je suis vraiment large là au niveau de mon record. Donc vraiment très content, très satisfait. Et cette fois-ci, par contre, ça m'a quand même calmé et je vais reprendre une progression plus douce pour les suivantes avec une augmentation simplement de 5 watts.
Quatrième séance de gymnèse, on arrive cette fois-ci sur la troisième semaine et dernière semaine du bloc. Donc cette fois-ci, je vais le calibrer à 410 watts et à 265 watts. Donc encore une belle progression et si ça passe, eh ben, ce serait vraiment extraordinaire par rapport à ce à quoi je m'attendais en début de bloc. Malheureusement, ben, vous le voyez, je vais passer beaucoup de temps en danseuse parce que clairement j'ai pas les jambes. Ce jour-là, j'ai clairement pas les jambes pour passer ce gymnase à ces intensités-là. Et malheureusement, je vais coincer à la 8e répétition, quasiment à la fin de l'exercice. Mais voilà, j'aurais pas eu le mental sur celle-ci en ayant passé déjà beaucoup de temps en danseuse. Voilà, clairement, là, c'est à la fois au niveau physique et au niveau mental que ça lâche. Et je commence vraiment à ressentir la fatigue sur cette troisième semaine de bloc. Et voilà, et ça devient vraiment difficile pour moi. Je commence vraiment à ressentir la fatigue sur cette troisième semaine. Et clairement, j'ai vraiment hâte d'arriver en récupération parce que là, ça devient vraiment très très difficile, à la fois physiquement et mentalement. Voilà, on arrive sur la fin de ce bloc avec ce cinquième et dernier gymnase. Alors je vous ai souvent vanté les mérites de réaliser ces séances à l'extérieur. Je vous ai montré dans cette vidéo beaucoup de home trainer parce que le gymnase c'est un exercice qui est particulier, c'est un exercice qui est très long, qui dure 45 minutes sans récupération. Et pour moi, c'est très difficile de réaliser cet exercice à l'extérieur parce que j'ai pas de col de 45 minutes à côté de chez moi. J'ai pas tellement de route non plus à proximité avec très peu d'intersections qui me permettraient de faire ce gymnase sur le plat, voilà, à défaut de pouvoir le faire en bosse. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de réaliser ce bloc principalement sur home trainer en ce qui concerne mes séances d'intensité. Mais quand même, je voulais pas terminer ce bloc sans avoir au moins réalisé une fois dans ma vie un gymnase sur la route. C'est quelque chose que j'ai jamais fait, donc je voulais vraiment avoir cette expérience, voir ce que j'étais capable de sortir sur la route, puisque je me prépare quand même pour un objectif sur la route. Donc, j'ai réalisé ce dernier gymnase sur la route. J'ai réussi à trouver un segment, alors qui est assez loin de chez moi. Il me faut quand même une heure pour l'atteindre. Donc voilà, ça m'aura fait une belle sortie de 3 heures. Une heure pour y aller, une heure pour réaliser l'exercice et puis une heure pour rentrer. Mais j'en avais besoin parce que vraiment je commence à saturer mentalement. C'est le problème de. C'est ce qui m'arrive à chaque fois quand je réalise mes séances d'intensité sur home trainer. Je finis par saturer mentalement. Donc voilà, là ça m'a fait du bien, ça me permet aussi de mieux me rendre compte de ce que je suis capable de faire sur la route. Et vous allez voir que c'est plutôt positif, hein, malgré la grosse fatigue que je ressens toujours, même au moment de réaliser cette séance-là. Je sens que j'ai pas des jambes exceptionnelles, j'ai pas une grosse condition due à la fatigue. J'ai vraiment hâte d'arriver en récupération. Mais j'arrive quand même à sortir une séance plutôt intéressante. Puisque je vais réaliser les 9 répétitions, quasiment. Il manque juste le dernier contre-effort, mais c'est parce que j'arrive en haut du segment. Donc voilà, mais si j'avais pu, je serais allé au bout. Et je réalise du coup cette séance avec des intervalles d'une minute à 400 watts environ, pour un contre-effort autour des 260 watts. Donc c'est vraiment une belle séance, parce que sur la route, j'ai pas le même capteur de puissance. J'ai mon capteur de puissance Shimano qui sous-estime un petit peu la puissance d'une quinzaine de watts par rapport à mon home trainer. Donc ramener home trainer, même si évidemment le terrain n'est pas le même, donc c'est un peu compliqué de comparer. Mais bon, ça donne une séance quand même au-dessus des 400 watts et au-dessus des 260. Donc voilà, vraiment très content, très satisfait. Alors je vais en profiter pour prendre une seconde question qu'on m'avait posée, qui me semblait intéressante. C'est LL qui me disait que je n'avais pas abordé la question du poids. Effectivement, étant donné que mon objectif est une cyclosportive en montagne et que la performance est effectivement liée, je suis d'accord avec toi, au poids et au watt, donc au watt kilo.
Alors, j'ai pas abordé ce sujet-là parce que dans mon cas, c'est un peu particulier, enfin, j'imagine, parce qu'en fait, mon poids est quasiment le même tout au long de l'année. Voilà, actuellement, au moment où je tourne la vidéo, il est environ à 70-71 kilos. Mon poids fluctue entre voilà, 70 et 71, voire 72, mais voilà, vraiment pas plus. Donc, en sachant que je mesure 1m87, si vous faites le rapport, bah, j'ai pas grand-chose à perdre, hein. Je suis déjà assez affûté. Alors, éventuellement, je peux peut-être encore gratter un ou 2 kilos, mais voilà, je mettrai pas en place de stratégie particulière par rapport à ça. C'est vraiment pas là-dessus que je cherche à gagner en performance, hein. C'est ma priorité, ça reste les watts. Et le poids, ben voilà, je laisse faire, je fais ça de façon naturelle, je ne cherche pas à perdre du poids. Si j'en perds, tant mieux, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment de la puissance. Et sans doute que je perdrai peut-être encore 1, voire 2 kilos grand maximum d'ici le mois de juin, en allongeant un peu les sorties longues. Mais voilà. Alors, dérive cardiaque très peu intéressante, hein, comme vous le voyez, je passe à peine 20 minutes en zone 5, au-dessus de la zone 5. Donc voilà, assez peu intéressant, mais bon, les watts sont là, malgré la fatigue. Voilà, le cœur ne monte clairement pas à cause de la fatigue. Là, j'ai pas de doute par rapport à ça. Donc bon, je le savais et c'est pas très grave parce qu'on arrive en fin de bloc et la semaine de récupération va permettre vraiment de faire du bien, de récupérer et de surcompenser derrière. Alors mon bilan par rapport à ce bloc-là, ben, il est clairement positif. On voit que j'ai encore passé un petit cran en termes de puissance sur 45 minutes. Et si j'avais quelque chose à changer par rapport à ce bloc-là, eh ben, ce serait pas tellement par rapport aux séances d'entraînement, mais plus par rapport à ma récupération. On est souvent focalisé, et moi je le suis aussi, je suis très très focalisé sur les séances d'entraînement. La récupération, comme tout le monde, je sais que c'est très important aussi. Mais s'il y avait quelque chose à améliorer, c'est clairement du côté de la récupération que j'ai un petit peu négligé parce que voilà, au niveau du boulot, ça a été un petit peu plus intense. Donc ben, j'ai rogné un petit peu sur mon sommeil et pas sur le volume d'entraînement, ce qui fait que ben, j'ai été vraiment, vraiment à la limite. Alors je dirais pas du surentraînement, je trouve que parler de surentraînement pour un sportif amateur comme moi, ça n'a pas tellement de sens. C'est pas en 3 semaines qu'on tombe dans le surentraînement. Simplement en termes de rapport, intensité, récupération, j'étais à ma limite. Et clairement, si j'avais persisté avec une 4e semaine ou si j'avais cherché à faire davantage de volume ou alors à réduire encore ma récupération, eh ben, ça aurait été clairement contre-productif. J'aurais pas pu terminer les séances importantes. Et j'aurais eu sans doute des adaptations moins intéressantes. Donc là, vraiment, petit coup de chance, ça passe, mais vraiment pas de beaucoup. Sur ce, je vous laisse sur ces belles images d'extérieur. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, lâchez les watts.